Yo les broches, aujourd'hui sixième épisode sur l'ombre de la guerre. Donc ouais, sixième épisode, aujourd'hui on va encore faire des missions, ouais. Ouais, l'épisode 5 était vraiment nul en infiltration. Enfin, on était vraiment à chier en infiltration mais plutôt bon en combat. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? On ne sait pas. Je pense que là, j'ai repris la main un petit peu sur le jeu, donc ça se passe plutôt bien. J'ai plusieurs niveaux d'écart sur la plupart des capitaines ou chefs de guerre. Donc ouais, au niveau combat, ça se passe plutôt bien. Parce que je m'étais bien up avant. Là, en plus, j'ai changé un petit peu de d'uniforme, d'équipement. Vous voyez, il est plus un peu plus clair. Il est plus joli, d'ailleurs, celui-là. Plus jolie couleur, et en plus, bah, il m'apporte plus de vie, plus d'attaque. Mais bon, mon arc, en fait, j'ai remarqué qu'il était bien puissant. C'est un arc épique. Mais par contre, il a que 6 flèches. Alors que je pouvais en avoir à, genre à 9 flèches, 10 flèches. Mais beaucoup moins puissant. Du coup, je préfère garder la puissance. Même si j'ai pas beaucoup de flèches, c'est pas grave. Putain. Je l'avais vu pourtant. Oh, 19! Bon, bah, on verra si on est fort au combat cet épisode. Tout de suite. Parce que voici un capitaine de niveau 19 et je suis niveau 18. Hop, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ça peut vite tourner. Très mal. Il a beaucoup d'hommes avec lui. Bon Dieu. Non, non, non. Lâche-moi, 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 lâche-moi et lâche-moi. En repli. Si tu veux, écoute. Ah merde, putain, j'aurais pu l'avoir, j'aurais pu Sartari. Quel abruti! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Il m'a écrasé comme une patate. J'ai tué les ennemis du Seigneur des Ténèbres en son nom. Maintenant, je serai à la tête de ses partisans. Et ça, un capitaine Hologai, je vous le dis, c'est trop chiant à tuer. Bref, on se retrouvera plus tard, t'inquiète pas, mec. Eh, c'est dingue, à chaque début d'épisode, je suis obligé de crever par un orc lambda comme ça. T'as le mec, il passe niveau 17 comme ça, comme par magie, quoi. Bref. Non, j'ai pas envie de le tuer. On fout de sa gueule. Et là, il va me repop à 1400 mètres. Tous les fous. Ah non. Bon, j'étais à l'ouest, maintenant ils mettent au sud. 1100 mètres. Bon, bref, on s'en fiche. Bon, ça annonce la couleur, hein. C'est le temps de s'échauffer. Une petite mort par-ci, une petite mort par-là. Et après, on peut commencer l'épisode. Allez. Ah, c'est vrai, je peux tirer en vol aussi, ça peut être terrible. On va faire des belles choses avec le RP, je pense. Faut vraiment que, comme je vous l'ai dit à l'épisode précédent, faut vraiment que je retrouve toutes mes capacités dans le jeu. Et après, ouais, on peut faire vraiment des belles choses. Vraiment mettre en scène le combat, un peu changer les techniques et tout, mais ça, il n'y aura pas de soucis à se faire quand je l'aurai retrouvé la main et quand j'aurai appris toutes les techniques qu'on peut apprendre. Franchement, ça peut être bien. Allez hop, mission. Mina City est sur le point de sombrer. Arachné pourrait nous aider, mais à quel prix? Ok. Donc là, je crois que Celebrimbor va retrouver son anneau, il me semble. Il va le retrouver un de ces quatre. Et je crois que c'est maintenant. Je viens en voir plus. Je sais. Si tu peux voir la fin de Sauron, révèle sa faiblesse pour que nous puissions le battre.
Ta vision est fragmentaire. Je ne demande pas mieux que de le voir agoniser. Demander grâce à mes pieds. Mais mon regard suit le destin de la Terre du Milieu. Alors rends-nous ce que tu m'as volé, et je pourrai te livrer Sauron, enchaîné. Pourquoi ferais-je cela, créateur? Sauron et toi ne faites qu'un. C'est ce que tu cherches? Qu'après ces devinettes? Elle n'est pas notre alliée. Certainement pas la tienne. Approche, Talion. Vois par mes yeux. L'heure des fêtes vient de l'intérieur. Ah oui. Minas Sithil abriterait un traître. Mais qui? Doutes-tu d'elle? Ses visions ne mentent pas. Tu l'as vue comme moi. Alors Minas Sithil doit mener une guerre des deux côtés. C'est le roi. Je m'en souviens. Ah, le petit Gollum. Il est vachement bien fait dans ce jeu, par contre. Un chef de guerre lui parle via un messager. On peut te montrer le messager. Comme vous savez, le jeu Gollum va arriver en 2021. Est-ce que je l'achèterai ou pas? C'est ce qu'on verra, mais pour le moment, les images donnent vraiment pas envie. Quel beat. Bon, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi ils me disent de suivre Gollum mais ils m'amènent là? Ok. Sommeil profond. Elles reviendront quand personne ne verra et ramèneront les orques à la maîtresse de Ténor. Dans le jeu Gollum, j'espère aussi que la voix sera celle française officielle. Il faut le suivre pour atteindre son maître. C'est pour être cool. Nous prenons le relais. Ne te fais pas voir, Gollum. Encore un truc d'infiltration. Là, je dois suivre un messager sans tirer sans déclencher l'alerte. OK. Hors de mon chemin. Je suis en mission. Je vais voir le briseur d'hommes pour lui transmettre des informations importantes. Je viens de rencontrer le traître. J'étais pas sur ton chemin. Et si ta mission est si importante que ça, pourquoi tu perds ton temps à m'en parler? Remets-toi en route, larve. Trop marrant. Faites place! Faites place! J'ai
des nouvelles pour le chef de guerre. Je viens de croiser ce traître de Porose. Et il avait un message pour le chef. Tu fais mieux de la fermer. Le briseur d'homme t'écorchera vif si tu continues à chacasser comme ça. Mon limite arrive à la forteresse. C'est bon. Briseur d'homme, l'immortel est à mes trousses. Je lui ai rien dit sur le traître. Je le jure. Ah, je vais le tuer. Bon allez, ça va pas être facile. Bon déjà, il peut avoir des flèches dans sa gueule, donc ça c'est cool. Je suis déjà mort, non. Oh non, la blague du siècle. Quelle bite. Mes enfants Ted, ne sous-estime pas leur utilité. Ok. Bon allez, là j'ai agi comme une merde, je suis descendu comme une merde, trop vite. Allez go. Hop. Je suis prêt, seigneur. J'imagine que tu es là à cause du traître qui nous aide depuis Mina Sithil. Eh bien, tu n'apprendras rien de ma bouche. C'est un légendaire. Profiter de Dragon Karagor pour achever toutes ces petites merdes. On a deux morts. Mais non, mais vous voyez ? Eh, mais un coup ! Oh la vache ! Il suffit que un coup d'épée, il pousse, et puis après, bah, il y a un mec qui te fout un coup d'épée, genre une demi-seconde après, t'es encore dans ta chute. Et bah hop, t'es mort, parce que ça te fait deux coups d'épée. Bon là ça va, je suis encore très calme. Mais bon, si je meurs aussi vite à chaque fois, ça va vite me gonfler par contre. Parce que là j'ai même pas tapé une fois le chef de guerre quoi. Je me dis hop, je prends mon Garagor, ça va être facile. Bon, il va me faire son discours à chaque fois. Il va être compliqué lui je pense quand même. Les orques au bouclier comme ça, c'est pas facile. Elle a dit ne sous-estime pas mes trucs. Du coup, je vais les appeler. Poussez-vous. Mais non ! Putain, mais...
L'immortel, c'est vraiment mais super dur, je vous jure. Je vous jure, c'est pas des conneries. Hein. Vous voyez de vous-même, c'est pas... Même en augmentant la vie à donf, c'est incroyablement dur. Faut se dire, deux coups, t'es mort. Laissez-moi partir. J'imagine que tu es là à cause du traître qui nous aide depuis Mina Sithil. Eh bien, tu n'apprendras rien de ma bouche. Me concentre. Pas ça, ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Allez, monte. Il me demande de monter. J'attends un petit peu qu'il se rapproche des explosifs. Oula. Je savais pas pourquoi j'ai eu la cinématique là. J'ai l'impression que normalement j'étais mort. Ou en fait, comme j'ai pris le Karagor, je sais pas moi. C'est à moitié chelou. Oula, il y a un gros qui arrive là. Par contre, si j'arrive à l'affaiblir assez, et qu'après je peux le chevaucher, parce que ça peut être pas mal. Ouh, il est bien là. Allez. Oh putain, j'ai un quelques secondes près, je me. Quelques secondes près, je mourrai. Allez, maintenant. Là, j'ai l'avantage sur lui. C'est bon, je peux le manger. Hop, tranquille. Et maintenant, je t'interroge. Voilà. Voilà. En plus un petit légendeur niveau 17, ça peut être pas mal. C'est l'œuvre du roi sorcier. Il nous nargue. Je dois récupérer mon anneau. Et tu l'auras. Mais avant ça, il faut s'occuper du traître à Mina Sithil. Bonjour, cruel. Ce tour rempli de fiel, les orques les viscères, et leur tête ils la serrent. Leur cerveau une cisaille, leur visage une entaille. Il peut être utile. Yes. Un niveau de plus.
Intéressant. Avec mon anneau, j'aurais pu empêcher cela. Il faut le récupérer. Oui, mais il faut d'abord se charger du traître qui se cache à Mina City. Par contre, mon petit Grog, là, tu vas revenir là, toi, tu m'intéresses. Je peux pas encore te chevaucher comme ça. Hop. Bon, je vais voir l'inventaire un petit peu. Non. Pas d'épée. Pas d'épée plus puissante que la mienne. Pas de dague non plus. En arc. Non. En armure non plus. Et en... En, comment dire, en furtivité, je peux changer. Elle est pas mal cette petite cape bleue là. Ouh là, il y a un Drake. Putain, j'avais oublié qu'on pouvait les prendre. Putain, il est vraiment énorme ce jeu. Ah, ce jeu est vraiment une pure tuerie. En RP, avec ça, avec l'IA et Dragon et tout, mais putain, mais... La folie, hein. Donc qu'est-ce qu'on prend? On prend... L'attraction, non c'est nul. Les ennemis peuvent fuir, on va prendre ça. Ou alors ça c'est quoi? Spectre là? Dague, non c'est rapide, c'est de la merde mais bon. On va augmenter un peu le spectre parce que... Parce qu'après il y a des trucs qui sont bien donc... Ouais. Ok. Bon, on va faire ça. Et là, on va aller directement à la mission. Elle est où ? Mission. Il est peut-être pas là. Non, là je suis ici. Et le foyer là. Hop. Ok, on retourne à Mina Steel. C'est une petite map celle-là. Hop, la map du début. En tout cas, j'espère que ce mode immortel vous plaît. À me voir galérer un petit peu. Si vous, vous l'avez vécu et souffert, bah donnez-moi de la force. Et puis, si vous voulez m'encourager, bah encouragez-moi. On va y arriver, on va y arriver. Bon, on est encore au tout début, mais bon, je sens que ça rentre. Attends, on peut peut-être faire un déplacement rapide aussi ici, non ? Ça m'arrangerait en fait. Bon non, parce que je suis même pas allé à la tour, tu vois. Ah, j'en ai une ici. Non mais là, comme il y a des ennemis qui me suivent, sûrement. Faire ça. Ok, bon là c'est bon. J'espère. Déplacement rapide. Juste à côté de la mission, parfait. Dans 300 mètres, vous êtes arrivé à destination. Ok. Allez hop, c'est parti. Tac tac tac. Coucou. L'ennemi s'est rassemblé à l'arène et le roi sorcier lance un défi à l'immortel.
terrible. Terrible désillusion. Les orques sont innombrables à présent. Ils se préparent à un autre assaut. C'est peut-être le celui avec le cache-œil là. Le traître, je sais plus trop, un truc comme ça. Personne n'a vu ton père après la bataille. Ou c'est le père de elle. À sa recherche. What? Eh oh. Lui, il est possédé par le... Mais quel est donc par ce maléfice? Le roi sorcier en personne vient négocier. C'est l'arme de mon père. Les orques détiennent votre général. Acceptez d'envoyer le rôdeur de la Porte Noire. Mourir aux mains de mon champion. Et après sa défaite, votre chef vous sera rendu. Sinon, de terribles souffrances vous attendent tous. C'est toi que je veux, Talion du Gondor. Vous comprenez que... Les Uruks ne connaissent pas la pitié. Que mon père est peut-être déjà mort. Ils nous provoquent. Il ne faut pas les... Les Uruks aiment le spectacle. Si vous pouvez les distraire dans l'arène, nous pourrons nous faufiler dans leur camp pour trouver mon père. Puis-je compter sur vous? Le spectacle sera inoubliable. Tâchez de ne pas le tuer trop vite. Bah ça, je sais pas. C'est peut-être lui qui va me tuer trop vite. Ils semblent croire aux chances de leur champion. Et pour être honnête... Wow. Certes. Mais nous avons l'avantage du nombre. Ta ville va brûler. Oh, niveau 8. Oh, je pense que ça va aller. Par le feu. Allez. Un discours. Encore. Waouh. Tâchez de pas le tuer trop vite, bah si je peux l'achever dès maintenant, ça m'arrangerait. Je vous cacherai pas. Non, pas lui. Un petit coup d'inattention, même si je peux mener tout le match, bon, il est mort. Un petit coup et il peut reprendre l'avantage. C'est traître. Dois-je faire des pirouettes? Voilà. Hop. Qu'est-ce que je dois faire? Provoquer. Je suis venu jusqu'à cette arène pour combattre. Je kiffe la voix de Talion avec la l'Itariel en personnage, c'est énorme. Ouais, je suis un Traveler. Ouais, survivez. Y a pas de truc explosé. Sortira pas
pas de là sur tes deux pieds. Ton 18. Corps sera transporté par une dizaine d'orques qui le tireront de tous les côtés. Ok. Ça marche, pas de soucis. Ah, venez. Je vous attends. Allez, venez. Ah, un piège! Non, pas le piège, pas une deuxième fois. Oh. Plutôt bien, j'ai compris le truc. Quand vous êtes en gros attroupement, vous spammez le triangle, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont essayer de vous attaquer. Donc hop, triangle, 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 comme ça vous contrez tous les ennemis, et une fois que vous avez les exécutions, vous exécutez. Ça marche super bien. Là, comme bien sûr, je le fais pas parce que je voulais récupérer de la vie. c'est pas grave, on est tué deux déjà, c'est pas grave. Là, c'était une petite erreur d'inattention, c'est pas bien méchant. Non, j'ai fait rond pour passer et là, j'ai cliqué rond pour abandonner. Mais quel con, mais putain, mais. Appelez-moi con, hein. Putain, y a pas. Êtes-vous sûr, non? Putain, mais quel abruti! Non, moi c'est bon. Il m'a pris mon croix, je sais pas. J'ai pourtant cliqué rond pour abandonner, mais bon. Bon, tant mieux, hein, je vais pas me plaindre. Hein. Allez, viens là. Bon, je vais faire la technique que j'ai dit tout à l'heure. Ah, mais là ça marche pas parce que c'est un mec avec une lance. Ok, c'est pas grave. J'apprends de mes erreurs. Crois-tu que c'est le Palantir ? Et pourquoi là c'était un mec avec une lance alors que tout à l'heure j'en avais pas ? Comprends pas. Putain, tout à l'heure je menais bien pourtant. Putain, quelle abruti. Pourquoi je suis mort comme un blaireau avec des pauvres Uruk même pas capitaine. Et hop ! Finissons-en! Je vais tous vous niquer. Waouh! What? Foiré! Oh non! Mais! Les capitaines comme ça, c'est les pires! Les pires! Les pires capitaines! Enfoiré! 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 Allez. Je vais le cramer et le désosser. Je t'attends. Hop. 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 Je te laisse même pas le temps de respirer. Et t'es mort. Et là. Hop, regarde, je te vise à côté, pourtant je te plante. Hop. Hop là, Tougog. As-tu vu Berlu? Oula, l'ennemi juré. Prac le coureur. Oh putain. Légendaire.
Oula, ça pue la merde ça. Allez, je t'attends, Prak. Je ne me souviens plus. Bon, cette fois-ci, je compte en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Me dire quelque chose, mais j'en souviens plus trop vu que ça faisait un moment que j'avais pas joué. Putain, mais lui, je fais triangle pour le contrer, mais il fait faut faire croire pour le contrer avec lui. Bah, aucune chance. De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai aucune chance de jouer en immortel, donc quoi qu'il arrive, je n'ai aucune chance. Ok. Comme tu voudras. Je sais plus si on peut voir le nombre de morts qu'on a fait. On essaiera de regarder ça à la fin si on... Si l'épisode est pas trop long, mais il me semble qu'il va être long. Et encore, je l'ai pas tué encore, donc ça risque d'être un peu long. Donc on regardera ça à l'épisode prochain, si on peut regarder le nombre de morts. Je vous montrerai ça. Allez hop! C'est parti! Bye bye! Ça faisait longtemps, Rodeur! Ouais. La dernière fois que je t'ai saigné, c'était à Oudoun, non? Bon, je ne me souviens plus trop. Cette fois-ci, je compte en finir avec toi une bonne fois pour toutes! Allez! En feu du grand spectacle! Hein? Hop. Allez hop, c'est parti pour la boucherie. Un steak de rogue, ok. Un steak haché, 500 grammes, ok. Hop, hop, hop. Et hop, et hop. Oh la vache. Et hop. Hop, 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 hop. Oula, oula. Enfoiré, enfoirax. Enfoirax, médicament contre la diarrhée. Ah! Enfoirax, non, contre la diarrhée aiguë, à consommer avec modération. Contre la diarrhée aiguë, à consommer avec modération. Ouah ! Putain, il a esquivé, je voulais faire l'exécution sur lui. Enfoiré. Ah, il a l'épreuve des flèches, t'enfoiré. Vous avez vu à quelle puissance il est venu sur moi là? Si je bougeais pas, j'étais cuit. Bon allez, viens par là, que je te cramosse. Hop. Hop, un coup de couteau dans le ventre. Et hop là, une escalope milanaise. Hop, oh adaptation. Moi j'ai adapté en film et au cinéma. J'ai plus de trucs explosifs là à lui proposer. Bah, va falloir que je l'achève comme ça. Hein. Ah, il m'énerve avec ses coups de tête lui. Ah, chaque fois que j'ai une exécution, faut que je la foute dans sa gueule, pas dans un Uruk lambda là.
putain, non, non, non. Oh l'enculé. Ah sa race. Sa race. Il va être compliqué. Triompher du champion. Et là il va me sortir ses discours de baiser. C'est comme ça que ça se termine. C'est moi qu'on charge d'éliminer cette vermine d'humain minable. Oh oh oh, avec plaisir. Excusez-moi, c'était très... Peur des brûlures, peur des mouches et peur de la brutalité. Okay. Je vais essayer de te brutaliser. Je vais essayer de te brûler aussi. Ça aurait été fou qui me voit pas. Ça fait longtemps, Roder. Oui. Je sais, c'est la dernière fois que tu m'as tué, c'était à Oudoun. Bon, cette fois-ci, je compte en finir avec toi, une fois pour toutes. Donc voilà, j'aimerais te tuer. Alors, on veut du grand spectacle, d'accord? Moi, du moment que je te tue, je m'en fous. Même si c'est du moche spectacle. Oui, j'ai très du mal à dire spectacle, mais bon, c'est pas grave. Même si c'est du mauvais spectacle, je m'en fous. Du moment que je te flingue la tronche, je serai heureux. Hop, high kick dans ta gueule. Le spectre là, il a foutu un high kick dans sa gueule, mon gars. Hop. Rien à foutre. Allez, approche. Oui, c'était le moment. Il est juste à côté, mon gars. Explosé. Hop. Hop. Après l'exécution qui va bien. Hop. Ah, il s'adapte vite, c'est la foirée. Ah, le bâtard. Allez. Putain, et quand je veux qu'il m'attaque, il m'attaque pas. Ouf. Comme par hasard, il m'attaque pas. Pour une fois que j'ai un peu de chance. Ouh, ces lames là, faut pas que je reste trop longtemps devant lui comme ça. Parce qu'avec ces petites lames là, ça me fait vraiment très mal et ça prévient pas et c'est impossible à esquiver. Impossible. Il faut que je... Oh l'enfoiré. Oh non. Je vous jure que j'essaye. Mais c'est incroyablement dur. Putain. Faut en vouloir. Franchement, faut en le vouloir pour le finir en mode immortel. Oh, il va me sortir ses vieux discours. Ah, yeah. Ça commence à m'énerver. Merde, j'ai cliqué sur R3. C'est une blague là. J'ai rien fait quoi.
Oh non. Je sais pas combien de temps on est de vidéo. Et je pense qu'on est pas loin des 1 heure. Et je peux règle que 1 heure. Faut que j'essaye de le finir maintenant. Non, encore 10 minutes. Allez! C'est comme ça que ça se termine. Donnez-moi la force! C'est moi qu'on charge d'éliminer cette vermine d'humain minable! Avec plaisir! What? Ils arrivent de tous les côtés maintenant, mais c'est quoi ce délire? Hop. Hop. Pareil, pareil, oui, oui. Ça fait longtemps, c'était à Oudoun, ouais. Ok, je peux pas passer ta merde. Cette fois-ci, je compte en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Ok. Allez, en feu du grand spectacle. Ok. Oh non. Non, non. Oh putain. C'est vraiment trop dur. À quel point je suis en stress. Non! J'ai vu ces haches arriver dans ma petite gueule. Oh non! Non, vite, vite, vite! Ne te relève pas! Oh putain! Putain, je me suis cramé avec, quoi. Quel abruti! Heureusement qu'il s'est pas relevé. Putain, il a toute sa vie encore, cet enculé. Oh, putain. Il m'énerve avec ses coups de tête, enculé. Oh putain. Grosse blague. Grosse blague. Bon, dernière fois. Je réessaye une dernière fois. Si j'arrive pas, ce sera à l'épisode prochain. Je vais pas le battre à l'épisode précédent. Je suis pas retour vers le futur. Putain. Oh la vache, c'est trop trop chaud. Dernière fois. Je vous le dis les broches, dernière fois. C'est comme ça que ça se termine. C'est moi qu'on charge d'éliminer cette vermine d'humain. Allez, on se concentre, on se concentre. Avec plaisir. Brac. Ok. Alors, peur des mouches, y a pas de mouches ici. Peur des brûlures, ok. Ok, ça ok. Peur de la brutalité. Deviens hébété en voyant quelqu'un se faire attaquer brutalement ou rabaisser, ok. Ou dégâts par exécution, ok. Le feu le flèche des dégâts et dégâts par les bêtes. Il a l'épreuve des flèches, ça c'est trop chiant. Ouais, vigilant face à... Deviens enragé quand il vous affronte seul, ok. Aucune chance, il lance des haches. Lancer de couteau épique, boy, ça me tue à chaque fois.
C'est un poison et c'est un tueur de bêtes. Ouais. Bon allez. Toute la force. Là, il va me faire son discours pourri. Ça faisait longtemps, Roller. La dernière fois que je t'ai saigné, c'était à Houdoul, non? Bon, cette fois-ci, je compte en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Allez, en feu du grand spectacle. Ouais, j'en ai rien à foutre. Allez, je t'attends. Putain, enfoiré, il m'a fait me défoncer la gueule. Hop, là le truc qui serait top, ah, c'est que j'explose ça. Ah, y a tous les ennemis à côté en plus, ils sont tous brûlés en même temps. Le pire, c'est que chaque fois que je lui fais une exécution, il me prend et il me fout un coup de tête. Chaque fois que je lui tape un coup, il me fout un coup de tête derrière. Allez, exécution dans la gueule. Hop. C'était pas dans la gueule, c'était dans le ventre. Mais bon, c'est pas grave. Oh putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, ok les broches. Si vous avez des conseils à me donner pour éliminer un gars comme ça, je vous ai donné toutes ses faiblesses et ses qualités. Maintenant, dites-moi comment je peux faire pour essayer de le tuer, s'il vous plaît les broches. Bon, je suis désolé de vous quitter comme ça sur une série de morts atroces, mais bon. La vidéo va bientôt faire une heure, vous avez pas que ça à foutre que de me regarder crever à chaque bout de champ, je vais me reposer un petit peu et continuer plus tard sur un prochain épisode. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous dis tous les broches pour l'épisode 6 ou 7, 7 il me semble. Bref, tous les broches, j'espère que vous avez kiffé quand même et puis ce mode immortel va me faire rager, ça c'est clair, au bout d'un moment ça commence déjà à me gonfler. Mais bon, je fais ça pour vous, je fais ça pour le kiff et je fais ça pour l'amour du jeu. Et au moins, je pourrais dire, je l'ai fait en mode immortel. Bon, allez, ciao les roches!